J'adore. Superbe. Attends, j'en ai une autre. Ouais, ouais. Alors, c'est trois types qui sont sur un bateau. Il y a un pédophile catholique, un terroriste musulman et un banquier escroc. Ouais. Et alors, attends. Ouais, le banquier, en fait, le banquier escroc, il est de quelle religion? Je sais pas, ça n'a pas d'importance, ça. Non, mais comme tu commences la blague en disant que le pédophile, il est catholique et que le terroriste, il est musulman. Donc Oui, mais c'est juste indicatif. On s'en fout de la religion. Non, d'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu l'as indiqué pour les deux autres et pas pour celui-là? Pas pour le banquier. Le banquier. Mais parce qu'on ne sait pas quelle religion il est, ça n'a pas d'importance. Mais alors pourquoi avoir évoqué la religion des autres? Pourquoi c'est important? Mais là, tu casses toute ma blague. Mais non, mais j'essaie de comprendre la logique de ta blague, tu vois. Parce que tu me dis, il y en a un, il est pédophile et il est catholique. Donc on associe les deux. L'autre, il est musulman, il est terroriste. Donc c'est associé, on est vraiment dans le cliché. Donc le banquier, il est quoi? Le banquier escroc, il est quoi? Il n'est pas juste escroc, il est d'une religion, non? Il est juif. Quoi? T'entends? Ouais. Il est juif. Le banquier, c'est un banquier juif. C'est un juif. T'entends? Il est juif. Juif. T'entends? Juif. Il est juif. Tu entends? Il est juif. 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 Il est juif. Ok, c'était un peu étrange. Pourquoi t'as pas dit le mot juif comme ça, tout simplement, tout sobrement, au lieu d'y mettre autant de passion acharnée? Mais c'est parce que ça n'avait pas d'importance, c'est juste toi qui a insisté, tu m'as énervé comme ça. Je sais pas, je trouve ça un peu étrange quand même, voire inapproprié.